Un nouveau professeur s'apprête à débarquer à l'Institut Auguste Armand, la prestigieuse école de cuisine du feuilleton quotidien de TF1. Un personnage incarné par un acteur très apprécié des téléspectateurs de France Télévisions. Fan d'ici tout commence, le casting de votre feuilleton quotidien s'étoffe encore. Après Victoria Monfort, la fille de Nelson Monfort, qui rejoint l'Institut Auguste Armand dans la peau d'une nouvelle professeure, un acteur bien connu des amateurs de fiction policière intègre à son tour le prestigieux établissement. Stéphane Blancafort, l'interprète du séduisant Paul Marshall dans Tandem, dont France 3 proposera prochainement la saison 7 qui devrait être la dernière de la série, vient prodiguer ses bons conseils à Tom, Billy, Ambre et consort. Ici tout commence, Stéphane Blancafort débarque à l'Institut Auguste Armand annoncé comme un guest par la production. Stéphane Blancafort a commencé le tournage d'Ici tout commence vendredi 31 mars et restera une dizaine de jours dans la peau du chef Leroy, un nouveau professeur qui devrait surprendre les étudiants. Bienveillant et anticonformiste, amateur de cuisine en conditions extrêmes, il va s'avérer une source d'inspiration pour les élèves, qu'il pousse à improviser et casser les codes. Courageux ou inconscient, le roi a rendu ses 2 étoiles afin de se libérer des contraintes imposées. Reste à savoir si ce nouveau venu à l'Institut croisera la route de Philippe, le frère de Tessier incarné par François-Dominique Blin, un très bon ami de Stéphane Blancafort également au casting de Tandem. Réponse au mois de juin, quand ces épisodes d'Ici tout commence seront diffusés sur TF1. Stéphane Blancafort est une quiche en cuisine mais une vraie fée du logis. Espérons que le passage de Stéphane Blancafort dans les cuisines de l'Institut Auguste Armand serve à quelque chose. Car les velléités culinaires du comédien se limitent aux saucisses frites et aux pâtes lardons, comme il l'a révélé à Télé Loisirs à l'occasion d'une interview. Résultat, à la maison, sa femme est au fourneau. En revanche, c'est lui qui passe l'éponge. Après qu'elle ait cuisiné, c'est moi qui nettoie, s'amuse Stéphane Blancafort. Si passer l'aspirateur et faire le ménage détend le comédien, il avoue un petit travers, je suis maniaque, j'aime que les choses soient rangées à leur place. Ça me vient de ma mère. Aujourd'hui, ça va mieux, je ne me rends plus malade parce qu'un blouson traîne par terre.